أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع الدرس الثالث من المقرر ديريفاسيون اي اتود دي فونكسيون. في هذه الفقرة سنتكلم حول تيوغام دو رول، تيوغام دي زاكواسمون انفيني. الوغ تيوغام دو رول، الوغ سوا AB de réel appartient à R2 avec A inférieur à B, et soit f une fonction définie de l'intervalle AB vers R. Si f vérifie, premièrement, f est continu sur l'intervalle fermé AB. Deuxièmement, f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Troisièmement, f de A est égal à f de B. Alors, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C est égal à 0. C'est ça ce qu'on appelle le théorème de Rolle. On peut l'observer graphiquement en choisissant une fonction f telle que soit f une fonction continue sur l'intervalle AB dérivable sur l'intervalle ouvert AB avec f de A est égal à f de B. Alors, vous avez deux points. A et B tel que f de A est égal à f de B. Nous voulons maintenant rapporter ces deux points A et B بدالة متصلة. إذا لدينا حالتين، إما خط، إما دالة ثابتة، وإما A B، إما دالة غير ثابتة. F ل A est égal à F ل B. إما دالة ثابتة وإما دالة غير ثابتة. alors si premier cas f est constante sur AB, alors dans ce cas quel que soit C appartient à l'intervalle ouvert AB, on a f' de C est égal à 0. Deuxième cas, f non constante sur AB. Non constante, ça veut dire que, donc, f admet un maximum grand M sur l'intervalle AB, ou F admet un minimum petit m sur l'intervalle AB, ou il admet un maximum et un minimum, ou F admet un maximum grand M et un minimum
que tu t'aimes sur l'intervalle AB. Ce qui signifie donc, puisque F est continu sur l'intervalle AB, puisque F est continu sur l'intervalle AB, alors il existe un C1 à partir de l'intervalle AB tel que F lit C1 est égal à grand M, ou il existe un C2 à partir de l'intervalle AB tel que F lit C2 est égal à petit m. Et puisque F est dérivable sur AB, alors F il présente un extrémum en C1 et C2. Donc, puisque F il présente un extrémum en C1 et C2, alors F' les C1 est égal à 0 ou F' les C2 est égal à 0. Et voilà la démonstration du théorème de Rolle. Maintenant, théorème des accroissements infinis. Théorème des accroissements infinis. Alors, soit AB appartient à R2 avec A inférieur à B. Alors, si F est continu sur l'intervalle fermé AB, F est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un C à partir de l'intervalle ouvert AB tel que F de B moins F de A est égal à B moins A F' de C. En se basant sur la démonstration de ce théorème-là, en se basant sur le théorème de Rolle, on va choisir une nouvelle fonction. Le choix de cette fonction n'est pas évident. Cette fonction est soit g, une fonction définie sur l'intervalle AB par g de x est égal un f de x moins f les a moins f de b moins f les a sur b moins a facteur de x moins a. Bon, cette fonction là g en a, g est continue sur l'intervalle ab puisque c'est la somme de deux fonctions continues. G est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, puisque c'est la somme de deux fonctions dérivables. On a G le A, je remplace X par A, c'est F de A moins F de A moins F de B moins F de A sur B moins A facteur de A moins A, qui est égal à 0, et G de B est égal à F de B moins F de A moins F de B moins F de A sur B moins A fois B moins A. Je simplifie par B moins A et je vais trouver aussi 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert AB tel que G' de C est égal à 0. Alors G' de X en A, G' de X est égal à F' de X moins F de B
moins f de a sur b moins a. G prime de c égale 0 signifie que f prime de c est égal à f de b moins f de a sur b moins a, ce qui implique, c'est dit, que f de b moins f de a est égal à b moins a fois f prime de c. Maintenant, je passe à une dernière partie dans cette fin de la hissaïdi. Il y a inégalité des accroissements finis. Alors, soit A, B appartiennent à R2 avec A est inférieur à B. On considère la fonction f telle que f est continue sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB. On suppose que il existe petit m et grand M tel que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert AB, f prime l'x est compris en petit m et grand M. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A, ce qui implique que f de B moins f de A sur B moins A est compris entre grand M et petit m, ce qui implique que petit m facteur de B moins A inférieur ou égal à f de B moins f de A inférieur égal à grand M fois B moins A. Deuxième partie, c'est que on suppose maintenant que qu'il existe un K appartient à R étoile plus tel que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert AB, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k. Donc, on a, il existe, on a pour quel que soit x, y appartiennent à AB 2, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. C'est une application directe de cette inégalité. Je passe maintenant à la correction de l'exercice d'application. التمرين التطبيقي الكائن في صفحة 125 المفيد. التمرين فيه premièrement vérifier que les conditions de théorème des accroissements finis sont vérifiées pour les fonctions f sur l'intervalle i indiqué ici. Alors,
Première question. Petit a. Fx est égal 2 racine carrée de x plus sinus x est égal à 0 pi. Alors on a f est continu sur l'intervalle 0 pi. Pourquoi? Parce que f c'est la somme de deux fonctions qui sont continues sur cet intervalle. Et f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi. Car f est la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. Donc d'après le théorème des accroissements infinis, il existe un c à partir de l'intervalle ouvert 0 pi, tel que f' de c est égal à f de pi moins f de 0 sur pi moins 0, qui est égal à f de pi, c'est 2 racines carrées de pi, 2 racines carrées de pi, f de 0, c'est 0, sur pi, qui est égal à 2 sur racine carrée de pi. Petit b. On a g de x, f de x, est égal à 1 moins racine carrée de 2, cosinus x au carré, si x compris entre 0 et pi sur 4. Et f de x est égal à racine carrée de 2, sinus x moins 1 au carré, avec x compris entre pi sur 4 et pi sur 3. Alors on a d'abord, f est continu sur l'intervalle 0 pi sur 4, union pi sur 4, pi sur 3. Car c'est la somme, etc. C'est au carré, la fonction cosinus x, elle est continue, sinus x et sinus est continue, etc. Maintenant, étude de la continuité de f en pi sur 4. Alors, on a f de pi sur 4, et c'est 1, d'après, ici c'est la première expression, moins racine carrée de 2 cosinus pi sur 4, le tout au carré, qui est égal à 1 moins 1, c'est 0. Et on a limite lorsque x tend vers pi sur 4 à gauche de f dx. C'est égal à limite lorsque x tend vers pi sur 4 à gauche de 1 moins racine carrée de 2 cosinus x au carré. Posons qui est égal, je remplace par pi sur 4, c'est égal à 0, est égal à f de pi sur 4. Tout le monde limite lorsque x tend vers pi sur 4 à droite de f de x, est égal à limite lorsque x tend vers pi sur 4 à droite de racine carrée de 2. Sinus x moins 1 au carré, qui est égal à 0, est égal à f de pi sur 4. Donc, f est continu en pi sur 4. Donc, f est continu sur l'intervalle 0 pi sur 3. La dérivabilité maintenant. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 4 union pi sur 4 pi
plusieurs trois. Car c'est même raison pour la continuité. Étude maintenant de la dérivabilité de f en pi sur 4. Alors, limite lorsque x tend vers pi sur 4 à gauche de f li x moins f li pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Qu'est-ce qui égale limite de x tend vers pi sur 4 à gauche de 1 moins racine carrée de 2 cosinus x le tout au carré sur x moins pi sur 4. Je vais poser. Posons. T est égal à x moins pi sur 4. Ce qui signifie que x est égal à t plus pi sur 4. Lorsque x tend vers pi sur 4 à gauche, implique que t va tendre vers 0 moins. Donc ça, c'est égal, limite, lorsque t tend vers 0 moins, de 1 moins racine carrée de 2, cosinus t plus pi sur 4 sur t fois 1 moins racine carrée de 2 cosinus t plus pi sur 4 qui est égal limite lorsque t tend vers 0 moins de 1 moins de 1 moins racine carrée de 2 fois cosinus t cosinus pi sur 4 moins sinus t sinus pi sur 4 sur t. Wadin hafto bia kama hiya. Racine carrée de 2 cosinus t plus pi sur 4 qui est égal limite lorsque t tend vers 0 moins 2 cosinus pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, ma racine carrée de 2 va se simplifier. Il va me rester 1 moins cosinus t sur t plus sinus t sur t. Ici, je vais ajouter un t et ici t au carré. Facteur de 1 moins racine carrée de 2, cosinus t plus pi sur 4. Bon, ça tend vers 0. Ça va tendre vers 1 demi. Ça va tendre vers 1. Et ça va tendre vers 0. Il n'y a que le chiffre égal à 0, qui est égal à f' à gauche de pi sur 4. Maintenant, limite lorsque x tend vers pi sur 4, valeur positive. C'est f de x moins f de pi sur 4 sur x moins pi sur 4 qui est égal limite lorsque x tend vers pi sur 4 à droite de racine carrée de 2 sinus x moins 1 le tout au carré sur x moins pi sur 4. Posons t est égal à x moins pi sur 4. Ce qui signifie que x est égal à t plus pi sur 4. Et lorsque x tend vers pi sur 4 plus, t va tendre vers 0 plus. Donc c'est égal, limite, est égal, limite, lorsque t tend vers 0 plus, 2 racine carrée de 2, sinus t plus pi sur 4, moins 1 sur t fois racine carrée de 2 sinus t plus pi sur 4 moins 1 qui est égal limite lorsque t tend vers 0 plus 2. La même chose, il va me rester ici sinus t sur t fois cosinus t moins 1 sur t au carré fois t, 1000, racine carrée de 2,
sin t plus pi sur 4 moins 1. Sans avant d'ordre vers 1, vers 1,5, vers 0, et celui-là vers 0, il va me donner qui est égal à 0, qui est égal à f' à droite de pi sur 4. Donc, f est dérivable en pi sur 4. Conclusion, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 3. Donc, il donne delta f que tu as clina sur route théorème décroissement fini. Deuxième question, montrer que 1 sur 26, arc tangente 5, arc tangente 4, est compris 1 sur 26 et 1 sur 17. On considère la fonction x a pour image arc tangente x. Je vais l'appeler f. On a f est continu sur l'intervalle 4,5. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 4,5. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert 4,5 tel que f' de C est égal à f de 5 moins f de 4 sur 5 moins 4 qui est égal arc tangente 5 moins arc tangente 4. Or, on a f' de C, c'est dérivé de arc tangente de C, qui est égal à 1 sur 1 plus C carré. Et on a C est compris entre 4 et 5. Ce qui implique que C carré est compris entre 16 et 25. Ce qui implique que 1 plus C carré est compris entre 17 et 26. Ce qui implique que 1 sur 1 plus C carré est compris entre 1 sur 26 et 1 sur 17. Or, 1 sur c'est f', 1 sur 1 plus C carré, c'est f'c. Et f'c, ce n'est rien d'autre que arc tangente 5 moins arc tangente 4. Conclusion, arc tangente 5 moins arc tangente 4 est compris entre 1 sur 17 et 1 sur 26. Je passe maintenant à la troisième question. On considère l'application de la fonction g telle que g est égal à x moins cosinus x. Premièrement, établir que l'équation g est égal à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle pi sur 6 pi sur 4. Adakayou de Kerna, bitstwik, théorème des valeurs intermédiaires. Alors on a g est continu sur l'intervalle pi sur 6 pi sur 4, car c'est la somme de deux fonctions continues. G est dérivable sur l'intervalle ouvert pi sur 6 et pi sur 4. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, g' de x est égal à 1 moins plus sinus x, qui est supérieur strictement à 0. Donc,